Chers élites, nous sommes ici dans notre petite rivière qu'on appelle Tangla. Comme je vous avais parlé l'année passée, je voudrais partager avec vous notre idée qu'on a. Vous voyez, nous sommes ici au nombre de 5 enfants. Nous faisons dans la recherche. Nous voulons produire de l'électricité pour notre village avec notre petit coup d'eau que nous disposons. Donc à partir d'ici, comme vous voyez, nous pouvons créer une petite chute. Nous pouvons créer une petite chute de 1 mètre de dénivelé. Nous pouvons créer une petite chute de 1 mètre ici. Pour cela, ici nous avons besoin des parpaings. Nous pouvons le faire en parpaings bourrés. Au plus, il nous faudra c'est 3 ou 4 sacs pour ce projet. Et nous aurons aussi besoin d'un alternateur qui produit de l'électricité en continu, en 220 volts. Oui, si nous avons un alternateur qui produit de l'énergie en 220 volts, nous-mêmes nous connaissons déjà comment nous pouvons fabriquer notre roue hydraulique, c'est-à-dire la roue à aube ou la turbine. Parce que ce modèle que vous voyez là, c'est une roue à aube, donc c'est une turbine. Ici, la turbine que nous pouvons utiliser est de type Banky, donc une turbine qu'on utilise dans les faibles chutes. Ici, nous pouvons produire plus de 15 kW, donc alimenter tout le secteur, tout notre secteur. Donc, dans Demgola, Zemkout, partout là, nous pouvons leur fournir de l'électricité avec notre petit coup d'eau que nous avons ici dans notre village. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de difficile. Il suffit de s'y lancer, on peut arriver. Vous-même, regardez comment ça tourne. Alors, enlève les mains, il faut qu'ils doivent bien voir. Parce qu'ils vont penser que c'est le trucage. Ils vont penser qu'on a truqué les images. Ils doivent bien voir comment ça tourne. Vous voyez notre tuyau qu'on a monté là. Regardez le barrage. Regardez notre barrage qu'on a fait. Vous regardez un peu l'eau qu'on a essayé de retenir. Vous voyez, nous pouvons même faire une chute de 1 mètre à ce niveau. Tout cela sans que ça n'impacte de l'autre côté, parce que nous avons vu le niveau de l'autre côté de la rivière, il n'y a pas d'impact. Nous pouvons le faire, vraiment. Il suffit qu'on s'y lance, nous pouvons le faire. En une semaine, nous pouvons produire de l'énergie ici. Nous le pouvons. Nous le pouvons. Est-ce que ce n'est pas vrai, pas? C'est vrai. N'est-ce pas, ça fonctionne? C'est très bien pour ce village. Voilà. Donc ce qui nous manque ici, c'est seulement le moteur. Si on avait un moteur branché là, allez, ça produit de l'électricité. Nous sommes venus avec un petit moteur là, c'est où? Voici ça. Mais il paraît que c'est en panne. Ça bouge à l'intérieur. C'est comme si sa bobine ne fonctionne pas correctement. Nous serons obligés de chercher une autre... moteur. Un autre moteur pour que ce truc-là se lance dans tout le village. Okay. Lance-nous le moteur, il faut qu'on doit bien les montrer. Parce que les gens ont douté des années et des années. On cherchait des solutions qui coûtent cher. Pourquoi acheter les lampadaires qui coûtent cher? Et pourtant, nous avons des solutions simples dans la nature et dans l'environnement que nous pouvons seulement mettre. Nous avons de l'électricité. Ça, c'est l'énergie cinétique de l'eau que nous transformons en énergie mécanique à la roue à aube. Et la roue à aube transforme l'énergie mécanique en énergie électrique au niveau de l'alternateur. C'est ça, c'est simple, le principe est simple. Si vous voulez même, je pars de l'autre côté pour vous montrer qu'il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Allons de l'autre côté. Il n'y a pas d'impact. Pourquoi dire que c'est un tang là? Regardez. Regardez le niveau d'eau ici. Hein? Si le niveau d'eau arrivait là où je suis ici là, c'est là où il devait avoir d'impact. Mais c'est très bas. C'est très bas. Et pourtant, nous pouvons remonter l'eau de l'autre côté. Vous voyez, il n'y a même pas assez de puissance parce que là, la piste là où l'eau par là n'est pas dégagée, c'est bouché. Si c'était dégagé, c'est qu'il devait avoir une puissance pas possible de l'autre côté. Regardez-vous même comment c'est bouché. Notre coup d'eau pour nous fournir de l'électricité. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de difficile à comprendre. Tout est facile à comprendre. Nous pouvons y arriver.
c'est possible. Les tests que nous avons faits nous ont prouvé que c'est possible. C'est possible. Voici notre roi Hope, qui est là-bas là. Voici notre roi Hope. La descente est un peu difficile. Voici notre roi Hope. Elle est au repos. Elle est au repos pour qu'on a essayé de vous montrer comment ça se passe. Vous la voyez très bien. Voici notre roi Hope là. Hein? C'est ça. Il n'y a rien de difficile. Essayons. Hein? Tout passe d'abord par essai. Quand les Blancs ont réussi leur grand barrage et autres, ils sont passés par des essais. Hein? On dit souvent, vous ne savez de quoi vous êtes capable sans d'avoir d'abord essayé. Nous pouvons d'abord essayer pour voir. Hein? On essaie d'abord, on voit. Parce que quand les Blancs font des choses, ils réussissent. Nous, on voit que non, ils sont trop forts. Et pourtant, eux aussi, ils sont passés par des échecs, ils sont passés par des essais et autres. Et enfin, ils ont réussi. Vraiment, vraiment, on vous en prie. Soutenons tous ensemble cette idée. Comme ça, en août, même au Congrès, on peut avoir de l'énergie, de l'électricité. Tout le village peut être éclairé sans aucun problème. Au lieu de se lancer dans l'énergie solaire qui coûte extrêmement cher, nous avons des solutions simples qui peuvent nous fournir de l'électricité. Il suffit seulement d'avoir l'alternateur. Je vous répète encore, l'alternateur. L'alternateur. La roi Hope, nous-mêmes, nous pouvons la fabriquer. Hein, on soude tout, des jantes et autres. Nous disposons d'avoir déjà des jantes. Il suffit seulement que nous les assemblons et on fabrique du verrou. Et du ciment, et du sable, et du béton, tout. C'est simple, c'est fini. Voici les gars qui sont là, voici les témoins. Hein. Ils sont là, ils sont venus voir l'idée. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Très bien même. Oh les gars, ça y est, on va réussir.